Bonsoir mes amis et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la CS.fr, la radio RDC.fr aussi, la radio Agora, la radio Dany, la radio Puissance Max. Alors petit retour sur notre quartier de notre samedi où l'arrivée était 17, 16, As, 14 et 9. Bon, pas de quinté aujourd'hui, mes deux bases 17 et 16 sont arrivées à la première et à la deuxième place. Je vous donne donc le couplet gagnant placé. Je vous donne aussi un 2 sur 4. Mon cheval du jour, le grandissime favori, gagne la course, hein, comme il était attendu. Mon coup de folie prend une quatrième place et il me manquait dans mon pronostic le 1 et le 9. Et bon voilà, qu'ils n'étaient pas si évidents que ça à mettre dans une sélection. Mais bon voilà, au niveau du mois d'août, je vous ai quand même donné quelques bons petits résultats pour le moment. Quelques quartés aussi la semaine dernière. Deux en suivant. Et après voilà, des petits couplets gagnants placés, des 2 sur 4 comme aujourd'hui. Et voilà, donc voici pour le débrief de notre quartier pour notre samedi. Alors. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet pour le quintet de notre dimanche 30 août. Et oui, nous arrivons déjà à la fin de ce mois d'août, qui n'a pas été si évident que ça à trouver au niveau quintet, hein, avec le Bétique de Deauville, l'hippodrome de Cabourg, où nous avons eu pas mal de surprises, quoi. Et c'est pas évident du tout de faire un pronostic. Alors demain, nous allons encore une fois retourner sur l'hippodrome de Deauville, dans la Réunion 1, course 3. Et ça va être une très très courte distance, 1300 mètres, piste en sable fibré. Le départ est prévu vers 15h10. Je peux vous dire que j'ai eu très très mal à faire ma sélection. Je vous l'avoue, soyez très prudents demain dans vos jeux, parce que ça va être encore une fois un quintet très difficile. Vous savez, j'ai toujours été honnête avec vous, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans mon blog, dès qu'il y a un niveau de difficulté, voilà. Vous savez, je donne peut-être maintenant mon pronostic depuis plus d'un an sur la radio lacesse.fr, et lui déjà un an, et tout nouveau maintenant la radio rdci.fr. Mais bon voilà, après, je donne mes choix, mes pronostics, et après à vous de voir. Donc on y va. En tête de ma sélection, j'ai placé le 6 French Pegasus. Mon cheval du jour pour ce quintet, il va retrouver un parcours sur lequel il a déjà gagné un quintet. Sa place est à l'arrivée. Bon voilà, après tout dépendra du parcours, mais ce cheval a largement sa place dans notre cadet. La gagne, podium, mais dans le café sûr. Ah, à moins que. Ah. Ensuite, le 10, Parigote, mon opposition directe à mon cheval du jour. Elle est en forme en ce moment, vient de gagner facilement à Deauville. J'en entends aussi lui pour une très très belle performance, surtout un cheval qui connaît l'hippodrome. Voilà, donc après ça peut jouer. Le 5, mon pari. Ma troisième base pour ce quintet. J'en entends une très bonne performance. La ligne est bonne, a largement les moyens de finir sur le podium. Donc vous voyez au départ, 6, 10, 5, ça va peut-être se jouer dans un mouchoir de poche. Voilà. Mais après, vous le savez tous et toutes, le plat, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, faut le faire. Faut faire le papier, on y va. Le 9, contorsionniste. Ma quatrième base, ce cheval qui aime bien aller devant. Ça peut jouer ça en sa faveur, hein, s'il part vite. Bien placé à la corde. Attention, la corde demain, ça peut jouer des tours. Ça peut jouer en faveur. Alors faites bien attention quand vous allez faire le papier. 1300 mètres, les chevaux qui sont placés à la corde. Attention. Pour une bonne place dans ce quartier. Le 8, illogique. Voilà, illogique, un peu comme ce quartier qui va être très rémunérateur, je pense. Cheval encore tout neuf, très régulier. Oubliez cette dernière course, parce qu'avant il avait fait des très très belles performances. Donc j'en entends une bonne course. Le 1, cher, calme. Pas mal sur ce parcours, il a gagné son quintet en 2018 pour une quatrième, cinquième place à belle cote, voire mieux, pourquoi pas, on ne sait jamais. Le 12, Nahab, mon coup de folie pour ce quintet, pour prendre une place à belle cote. Voilà. Le 4, Greenway, mon coup de poker pour cette épreuve sur ce tracé n'a plus de secret pour lui. Peut faire afficher lui aussi une cote sympa. En cas de non partant, le rouge. Je peux vous dire que derrière, quand vous allez voir mon tout à fait, qui va arriver tout à l'heure sur mon blog, il y a des chevaux qui auraient pu rentrer dans ma sélection. Mais il faut faire un choix.
mais ils seront dans mon tout à fait. Donc, mon choix du jour pour demain, le 6, mais de base, 6, 10. Mon coup de folie, le 12. Mon coup de poker, le 14. Mon coup de cœur, le 9. Mes 2 sur 4, le 6, le 10, le 5. Mes couplets placés, le 6, le 10, le 5, le 9. Je répète ma sélection. Le 6, le 10, le 5, le 9, le 8, le 1, le 12 et le 4. Donc attention demain, soyez très vigilants au niveau de votre budget. Je me répète, c'est encore mon cheval du jour en gagnant placé, mes 2 sur 4, hein, n'est-ce pas? C'est un petit pari très sympa à faire, hein, après, voilà. Et également mes chevaux en couplet placé. Après, à vous de voir également pour mes 4 bases, vous pouvez jouer aussi en 2 sur 4. Donc en 2 sur 4 à 50%, ça vous revient à 9 euros. Voilà. Et après, à vous de faire, si vous gagnez, une petite cagnotte et de monter. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous encore une fois de votre fidélité à ma toute jeune chaîne YouTube. On approche les 8000 abonnés et à la rentrée, parce que la vidéo est toujours faite sur mon lieu de travail, à la rentrée, il y aura pas mal de nouveautés qui vont arriver sur ma chaîne justement parce que j'aurai le temps un peu plus de m'en occuper, bien sûr. Mais tous les jours, je suis fidèle à moi-même et je vous mets quand même ma vidéo de mes pronostics. Voilà. Donc vous avez mon blog, vous pouvez retrouver tous mes pronostics détaillés et également ma vidéo. Voilà. En tout cas, retrouvez demain mon pronostic sur la radio lacs.fr et la radio rdc.fr également. Donc, vous avez deux solutions pour écouter mon pronostic demain. Allez voir aussi faire un tour sur mes radios partenaires, Radio Agora, Radio Dani, Radio Puissance Max. Alors, mes petits loups, je vous dis à très vite, à très bientôt. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes pronostics, vous savez ce qu'il faut faire. Sinon, refaites un petit j'aime sur mes vidéos. Bien sûr, ça aussi, il y aura pas mal de choses qui vont arriver prochainement. En tout cas, faites très attention parce que le Covid est toujours là. Donc, faites très, très, très attention. En tout cas, prenez soin de vous. Au moment où je vous fais ma vidéo, en montagne, je peux vous dire qu'on a eu du très, très, très mauvais temps. Et je fais ma vidéo dans le brouillard, entre guillemets. À demain pour de nouvelles aventures avec Squall, l'ours. Pharaon des courses.